Yo mes tipettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous tester Bionic Bird. Donc c'est un drone oiseau, drone pigeon, drone corbeau, drone ce que vous voulez. Le plus important, c'est que c'est un drone qui bat des ailes. Et ce Bionic Bird, bah, je vous le fais gagner. Et pour ça, rien de plus simple. Donc première étape, on s'abonne à ma chaîne. Ensuite, on clique sur le lien du concours qui est dans la description. Il suffit de retweeter le tweet, me suivre sur Twitter et suivre Bionic Bird. C'est tout. Je vous ai présenté brièvement Bionic Bird, maintenant on passe à l'unboxing. Niveau packaging, c'est plutôt quali, hein. Sur la face avant, du coup, on retrouve notre Bionic Bird. Et au dos de la boîte, du coup, le Bionic Bird sur son œuf rechargeable, quelques aperçus de l'application et quelques informations. Tout a l'air plutôt bien rangé. Du coup, on commence à déballer. Alors ça, c'est un petit œuf de recharge, une sorte de batterie portable. Pour recharger du coup notre Bionic Bird quand il a plus de batterie. Donc là on a deux petites connectiques qu'on viendra relier du coup c'est aimanté au Bionic Bird. Ici un pinceau, c'est pour nettoyer les connectiques hein, parce que sinon la recharge se fait mal apparemment. Ça c'est des lestes, en gros si notre Bionic Bird penche plus à droite ou à gauche on mettra des lestes sur les ailes de droite ou de gauche pour éviter qu'il penche. Et là le cordon d'alimentation tout simplement. Hop. Ici le Bionic Bird on va le sortir. Waouh, déjà c'est franchement super léger. Donc j'avais vu quelques vidéos où on disait ouais c'est vachement léger nanana, mais là franchement c'est super léger. Les ailes je sais pas exactement ce que c'est comme matière, c'est une sorte de plastique très léger hein, qui va lui permettre de planer, voler tout simplement. Donc là c'est le mode expert puisque la queue est tout en bas. Il faut savoir que plus on va monter la queue, plus la prise en main sera facile en fait. Là bah, par exemple avec ça on peut voler en intérieur. Donc là du coup le Bionic Bird on voit qu'il est assez vénère, hein, faut pas le faire yesh. Il se rentre dedans direct. Hop. En dessous, du coup, les connectiques, hein, comme je vous ai expliqué, qu'on viendra nettoyer avant de poser sur son œuf rechargeable. Et du coup, l'œuf rechargeable, bah, on va essayer ça vite fait. Hop. Et voilà, c'est aimanté en fait. Et là, normalement, il recharge. Il faut savoir que la charge complète prend à peu près 12 minutes pour une dizaine de minutes de vol à peu près. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Oh, bah des ailes de rechange. Top, parce que j'avais l'impression que les miennes, elles étaient un peu abîmées. Mais bon, je pense pas que je vais les utiliser tout de suite, je vais attendre qu'ils soient vraiment mortes. Hop. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Bon, bah, on n'a plus rien. Voilà. L'application mobile, on la retrouve sur Android comme sur iPhone. Donc, on peut choisir un mode de conduite en mode joystick ou bien intuitif, c'est-à-dire qu'on va bouger l'iPhone. Moi, je préfère le mode joystick. On peut choisir à un doigt ou en classique, c'est-à-dire comme ça. Ensuite, on a juste à augmenter la puissance ou la diminuer. Et pour tourner, bah, on va à droite ou à gauche. Du coup, ce pigeon il est bien sympa, mais j'ai pas assez de place dans ma chambre pour pouvoir l'essayer. Du coup, je vous emmène dehors, on va voir ça. Wesh, les gars, laissez-moi tranquille, je suis posé là. Je suis posé, wesh. Allez, vas-y, on y retourne. Non, vas-y, s'il te plaît, Jimmy. Non, il penche à droite. Là, on a vu qu'il penchait à droite, alors on va rajouter un petit lest à gauche. Du coup, là, le lest, donc je l'ai mis sur le bout de l'aile gauche parce qu'il partait à droite. Bon les gars, là j'ai un gros souci, j'étais en train de faire voler Bionic Bird et il est parti chez les voisins, donc venez voir où il est. Et là-bas. Je remercie mon petit frère hein, qui filme, donc là on va essayer de le récupérer. Les gars, je suis dans la merde, hein. je sais pas comment je vais faire, les voisins ils sont pas là. Ils sont pas là du tout les voisins. Vas-y, coupe cette caméra. Allez petit oiseau. Les gars, on a peut-être quelque chose là. Ça, c'est les années de pêche à la canard à la fête foraine.
Bon, du coup, vous avez bien vu que Bionic Bird, bah, c'est pas super facile à contrôler. Hein. Il m'a fallu une bonne demi-heure avant de savoir vraiment tourner, bien le prendre en main. Honnêtement, il est parti deux fois chez le voisin d'affilée. C'était absolument pas prévu. Hein. Pas prévu du tout. Bon, alors ce que j'en ai pensé de ce Bionic Bird, bah, c'est vraiment sympa. Hein. Ça change des drones à hélice, des drones quadricoptères. Là, on a un drone qui bat des ailes, il ressemble vraiment à un oiseau, comme vous avez pu le voir dans les vidéos. Même les passants, quand ils marchaient dans la rue et qu'ils me voyaient en train de faire voler ce drone, bah, ils trouvaient ça vachement sympa, ils avaient tous le sourire aux lèvres. C'est vrai que ça change. Ce que j'ai adoré avec ce drone, c'est clairement bah, la powerbank LEF. On peut recharger 10 fois son Bionic Bird, donc c'est vraiment énorme. Faut compter 12 minutes de recharge entre chaque utilisation pour après à peu près 10 minutes de vol. Donc on a presque 2 heures de vol sans se prendre la tête avec ce petit œuf. C'est vraiment trop cool. Pour ceux qui n'auraient pas la chance de gagner Bionic Bird, je suis vraiment désolé, mais je peux en faire gagner qu'un. J'en ai qu'un seul. Si j'en avais eu plus, j'en aurais fait gagner plus. Faut savoir qu'il coûte 90€, donc il y a une option avec l'œuf rechargeable ou sans l'œuf. Je vous conseille vraiment de prendre l'option avec l'œuf hein, parce que c'est vraiment trop pratique. Et comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description. C'est tout pour le test du Bionic Bird. J'espère. Ah, apparemment, il veut vous dire quelque chose. J'espère que t'as vraiment kiffé me voir prendre des murs, des flaques d'eau et encore des branches. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu. À t'abonner à la chaîne de Jimmy.fr, c'est vraiment trop cool. En plus, il sort des tests toutes les semaines, c'est vraiment le top. Et tu peux aussi partager la vidéo. Ouais, vas-y, partage. Partage, comme ça, je serai bien connu. Allez, des bisous.